Même si Noa Mané, je voulais avant, pour commencer cette réunion, vous parler un peu de la restructuration du parti. Parce que Wayne Barbo, président de la RNAB, un RKLA, on ira faire place. Là, si on a oui, là, si on dit qu'on place, on va aller au magasin. Nous avons précipité la restructuration pour des raisons que tout le monde connaît. On verra comment. On a qu'un fénéraire dans les élections communales du 4 février. Nana tout on a la restructuration précipitée. Mounier côté, nana donc on va faire une élection. On a côté tout. Et nana tout, alors que nous avons des échéances plus importantes, le principal responsable du parti que je suis, j'ai été obligé de tirer les leçons de ces élections. La fraude a été massive. Et c'est une fraude qui a été principalement orientée vers l'UFR. Il y a des gens dans ce pays, mais des colombes, à un moment d'un débat politique, un enfant mais tambour. C'est pourquoi quand je parle de la bipolarisation, les gens pensent que j'attaque tel ou tel. Non, ce n'est pas bon pour le pays. Il y en a qui ne rêvent que de ça. C'est-à-dire une confrontation qui sera même plus politique, mais qui va devenir communautaire. Nous nous opposons fondamentalement à ça. Ce n'est pas la philosophie de notre parti. Nous sommes un parti de rassemblement, pas théorique, mais de vrai rassemblement. Un parti qui veut que tous les Guinéens puissent s'entendre. On ne peut pas être du même parti, mais on peut s'entendre sur des choses minimum qui peuvent permettre à ce pays d'aller de l'avant. Le seul objectif qu'on peut avoir de diriger un parti dans un pays, c'est de faire en sorte que les populations que vous représentez ici, tous les élus des quartiers, des sections et des fédérations de Conakry et peut-être d'autres passages, la seule raison, c'est de faire en sorte que les populations puissent améliorer leurs conditions de vie. Marie Faraudéhan, et politique n'a pas de femme, n'a pas de femme, n'a pas de femme. Amour, il y a sainte, il y a une femme. Amour, il y a une femme. Une fois, il y a une des nanas, des grands pays, comme vous le savez, à l'Amérique. Les élus, président, assemblée, tout ça, il y a une femme. Il y a une femme, vous m'avez dit, donc, le fait que Wogana vote Massara, Wafi, Mouya qui fera, ça veut dire que c'est antidémocratique. Mais là, on a fait un contre, mais il a raison. Non, il n'a rien. Parce que Wogana, il a voté détruit. Ce n'est pas l'objectif. Au Katafé, on est tous ensemble. On veut s'entendre pour qu'on puisse aller de l'avant. Les bons sens de Dieu, c'est pour aller de l'avant. Si on ne va pas de l'avant, ça ne sert à rien. Voilà. On ne peut pas avoir une république en se disant, bon, comme les fonctionnaires sont bien, comme les corrupteurs et les corrompus sont bien, même si la population copie dans les marchés de Madina, de Pamoa, de Anta et autres, là, ça ne fait rien, puisque Mota n'a pas mieux. Le
comme il y en a ici au Tananga. C'est pas pour quelqu'un d'autre que pour vous. C'est votre pays, c'est la majorité de nos compatriotes, les 11 millions de Guinéens, c'est eux seuls qui sont propriétaires de ce pays. Ils sont propriétaires de ce pays, ils sont propriétaires du budget de ce pays, ils sont propriétaires des ressources minières de ce pays, ils sont propriétaires de tout ce que Dieu nous a donné dans la terre et dans les eaux. La population et le peuple de Guinée, ce sont les seuls souverains. A Fébaraouni, la Hamra Faouma, c'est votre droit d'être contre ça. C'est votre droit. Au drôle, au radio, il fait au bon sens. C'est peut-être le sang, après le drôle, au roman. Et puis ça, c'est normal. Donc, les élections se sont passées dans des conditions désastreuses. Je n'arrête jamais de citer le cas de Nathan ici. 245 bureaux de vote. Et on nous dit qu'on a annulé 84 bureaux. 84. Et dans les 84, on a vu Mandouille faire l'année. Donc on vous dit maintenant, il faut accepter ça. Parce que la justice a dit, mais quelle justice? Je suis Burundi. Je rêve à tenir dans ce travail. Et ça compte toujours. Mais si vous enlevez dans une élection les tiers, plus du tiers des bureaux de vote, l'élection vous n'en a pas. Il n'y a plus d'élection. En même temps, on est en haut, on a mal. Pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle finalement, il fallait faire au niveau de ces problèmes de vote. Nous sommes attentifs pour l'année Moura Mato Moura Rayere Moura Dara Moura Fala. Namare Moura de Wadiraba. Il y en a beaucoup de cas comme ça. Mais Namouye Modeli, Nana de Moura et Restructuration Précipite. Moura Mato Moura. Girende Nana a dit qu'à ce jour pour qu'on a créé. Ils ont préféré la direction pour que nous ayons le pays. Mais on n'a pas la dernière manière qu'il nous faut faire. C'est clair. On a votre préservé. Responsable ne fait pour nous, on n'a pas dit. Mais je suis désolé, papa fait la télé votre phénomène. Au moment où on m'a donné des. Vous ferez le climat, vous allez aller au Mongol, 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 responsable, il y a un autre qui a les responsables qui sont là, ce sont les responsables du parti qui sont là. Vous n'êtes pas en mesure de surveiller ça. Mais on demande à la restructuration, on a base, et moi, on est pourquoi il y a un monstre, c'est la balle, on est à votre main. Cela ne veut pas dire que l'erreur du parti. Cela ne veut pas dire que responsable de la France. Mais il faut ramener donc le rasso Oyama, n'est pas la fille année à la cour à l'élection, à nous, il va nous voter au même. Au revoir. Au revoir, Nama. Et Panama, la partie, nous, mon ana, la voix, fait la barre. N'est pas colombe, il est à moi, mais il m'a sauté son nom parce que là, bon, ou bien, là, tata, ou bien, il est à ma colombe, il va faire des hajana ou à l'aïra, ou pour les tibiarés. Pourquoi les gens qui arrivent à du matin? Pourquoi les gens qui arrivent à la masse et à la masse et à la masse? Mais où est-ce qu'il y a? Donc, on a un tabac. À mon passage, on n'a pas changé grand-chose. Mais responsable et dorénavant, c'est collé au bureau de foi. On a carré dans la fuite, on a capté dans la fuite. Responsable nana tole na ba mogane na kolo ona roma ya poste mo ma wal bani assemblé na libé son responsable na fa ki mo ko no kapié e comme na to kolo na ba ko fa wa ma se ma ne bo ta no wo ta no no fu bi a mo ga na ba ko ko na ma ha no fa ayo ko 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 ko
Parce que parti fait ma semaine après semaine. On va au Aléa, au Kébouska. On a ce bâti, on a dit que nous avons un bâti, nous avons un bâti. On va m'amener bien, ça veut dire, j'ai l'empêché, je n'ai pas de mais la chose est pour Marie, mais vous avez un bâti. Il y a un bâti. Surtout, préparation pour tout le bâti à la cour. Prochainement, on va nous mener pour le monde, on reste dans le monde. Et maintenant, on va vous mouiller. Donc, restructuration à laquelle je n'ai pas de mal. On m'a mis un bureau pour être surveillé, surtout en bas. Mais un bureau pour être surveillé. Ok, ma bureau de prof à ma vie, et ainsi de suite, il m'a dit tout ça. Mais mon nom, c'est mon papier. Mon nom est mon nom, c'est mon nom, c'est mon nom. Donc, autant mon nom a fait un mauvais que, autant n'a pas eu un mauvais que, autant n'a pas eu un mauvais que, autant n'a pas ah, il peut être un peu de temps, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. On a vu les résultats. Mais les fans, les fédéraux, ils ont fait des droits de l'homme. Votre loi est mon pays, c'est un ami. Et par exemple, il y a un peu de temps. Il y a un tout d'un coup, et vous êtes responsable de l'année tout le monde, comme il va aller dans tout le monde. Ah, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu Je ne sais pas si je suis en train de faire un peu de temps. Parce que le reste de la restauration, rien que le résultat de l'Ira. Donc, à mon âme, il est rencontre. À mon âme, il crée ma fête. À mon catafère, à la peau, il crée une petite amouna, à la souris qui a une rigueur. Je suis là pour ça seulement. On rencontre. On va terminer. Quel est par exemple. Mais il vous appartient maintenant. Quel fait côté de base. Va faire la section. On manque de la main. Il y a un homme, autant de jeunes, de rentrer au quartier, de rentrer à partir de la responsabilité. On va faire la paix, on va y aller. On va y aller. Autant que l'on partit, on va y aller. Là, c'est très important. Quand on a l'élection, on va y aller. Les rêves vont gagner, donc on va y aller. Pour les policiers ou les machins là, ils vont rentrer dans le droit de faire effet, il y a ici qui est tombé, il y a des gens qui ont avant tout le temps, mais nous, c'est le sous-préfet, c'est le ville, c'était des élections complètement bafouillées, des élections truquées. On va la guérir dans des conditions difficiles. L'UFR est intervenu dans le cadre du comité de suivi, avec les deux autres groupes parlementaires, FPG et FPG, alors la solution se porte. Pourquoi? Parce que on commence à s'inquiéter. J'ai déjà dit ça à la radio. On a attendu, on y est sûrement, ça fait 8 ans. On a attendu 8 ans ici pour faire l'élection populaire. 8 ans. Tu ne peux pas faire dans aucun pays au monde. 8 ans.
qu'on ait des élections communales. C'est communal. Ces élections ont été complètement bafouées, truquées, malmenées. Mais aucun parti n'a eu la majorité. Même pas le parti qui a organisé les élections. Ils n'ont pas eu de majorité. Ils ont sorti à 45%. Comment le général, malgré l'électricité, on arrive à des résultats. Dans le cadre de la conciliation, à la cour, au Mabon, nous les partis d'opposition, nous-mêmes, on s'est entendu pour dire, asseyons-nous, trouvons des solutions. On sait qu'on a été volé, mais on va trouver des solutions. Bien sûr que ce qui est flagrant, pour moi qui m'en attendant, bon, ce qui est flagrant, on va il y a des endroits où les sous-préfets sont intervenus directement dans le processus électoral. Quand je dis intervenir directement, c'est eux qui ont organisé les choses, qui ont organisé la centralisation. Tout le fait qu'il y ait un amour d'amour, le sous-préfet est venu avec les policiers affaqués des plus de voir en avant. Mais malgré ça, on a dit non. Nous sommes des personnes responsables. Asseyez-vous. Mais même ça aussi, on n'arrive pas à trouver une solution. Mais ce qui est inadmissible, nous, on va dire là, c'est pendant ce temps. Quand les municipaux n'ont rien à faire, on les a mis de côté. Même là où vous avez les maires de l'opposition, ils ne sont plus responsables de tout. C'est le secrétaire général qui a été désigné par le ministère de la Transition Territoriale depuis 5 mois qui sont en train de gérer les mairies en ligne. Mais comme vous le savez, c'est pas possible. C'est pas imaginable. Mais je veux dire que honnêtement, le fait de mélanger autant de choses, on peut considérer que ces gens-là on m'a bon renseignement. Parce que il fait maintenant là-bas à la modèle. Non, non, c'est la vérité. Les populations n'acceptent pas ça. Donc, on ne peut pas continuer cela. C'est pourquoi on aura les exécutifs communaux et puis nous allons en même temps. Et nous nous sommes ouverts en se disant, bon, on est proche du RPG, qu'est-ce qu'on peut. Eux-mêmes sont venus. Est-ce qu'on peut négocier au Manama, au Mairie, au Makanama, au Congo le supporter? On était ouverts. Arrivé à un moment donné, on apprend maintenant qu'il y a d'autres négociations ailleurs. Oui, oui, pour le Sakinat. Pédri, Alakoum, on reste toujours dans les problèmes dont on ne sort pas la main. J'ai donné instruction au bureau exécutif du parti. Ils vont passer les commissions dans tous les districts où l'UFR a eu des conseillers et dans toutes les communes rurales urbaines où l'UFR a eu des conseillers. Ces élections sont des élections locales. Ils n'ont qu'à négocier à la base. De quelle manière est-ce qu'ils vont élire leur maire? Que ce soit avec le parti de Faya Molo, que ce soit avec l'IRPG, que ce soit avec l'RPG, c'est à eux de décider d'aller au niveau de la négociation générale. Parce que trahison n'en a pas. Donc, j'ai indiqué au RPG. On a fait beaucoup de discussions. Nous allons indiquer à l'UFDG et au BL de Faya Mimolo, parce qu'on a les trois partis qui ont des conseillers, que dorénavant, à la base, on décidera. Si avec les indépendants, si là-bas on a décidé que c'est avec les indépendants et le RPG qu'on s'est entendu, nous allons donner notre accord. Si par contre on s'est entendu avec Faya Mimolo, nous allons donner notre accord. Si on s'est entendu avec l'UFDG, nous allons donner notre accord. Voilà. Parce que c'est dans l'intérêt de notre parti. Il y en a qui ne veulent pas. Non, on n'est contre personne. C'est dans l'intérêt de maire dire qu'on va contourner l'UFR pour aller chercher des trucs ailleurs. Vous savez, dans ce pays-là,
Il y en a qui nagent en eau tout, mais ils oublient qu'on voit leur dos. Donc, voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. L'UFR, à partir de ce qui se passe maintenant, nous n'avons aucun complexe pour négocier avec tout le monde. Et c'est à la base que les gens décideront avec quel parti ils vont donner. À la base. Et bien sûr, dans notre tête, nous sommes prêts à ces compromis-là et nous allons commencer avec tout le monde. J'ai reçu certains responsables, nous avons commencé à en parler et nous allons aller dans ce sens. Nous avons également eu à refonder le problème de la CENI. CENI, problème de drainage. Parce qu'au minerai dont on a. Des fois, on se demande pourquoi ils sont là. Nous, on a mis un des membres de notre parti là. Il nous a trahis. Il nous a trahis complètement. Oui. Pas moi, il va la manger, il va la manger, tout le monde sait. Non seulement on les a nommés, mais on a renouvelé leur nomination. Et après, vous les trouvez en train de travailler contre vous pour des problèmes d'argent. C'est ça la Guinée. Donc, nous avons renoué dans le cadre de cette discussion avec une nouvelle CENI. Ça, c'est arrivé à beaucoup de partis, hein. Sauf bien sûr le parti au pouvoir, parce que c'est eux qui donnent l'argent. C'est pas eux. Ça arrive toujours à l'opposition, où on arrive à sortir contre les Guinéens. Beaucoup d'entre nous ne résistent pas à 200 millions, à 300 millions. Voilà, c'est ça notre problème. Et ça aussi, c'est volontaire. Quand tu entretiens une population dans la pauvreté, bien sûr, tu peux les manipuler. C'est la raison pour laquelle on est pauvre, d'ailleurs. Parce que comme ça, on est manipulable. Et ceux-là ont cédé à la tentation. Quand il a été question de revoir la CENI, nous l'avons revu. On a diminué le nombre des commissaires de la CENI qui va passer de 25 à 17. Mais en même temps, nous allons y mettre un peu plus de surveillance. Nous allons faire en sorte que les gens se consacrent un peu plus aux élections, qu'on commande des choses pour lesquelles chacun perçoit de l'argent à court terme. Donc, voilà ce qui s'est passé pendant cette période. Ce texte a été accepté et voté. Donc, nous allons faire en sorte que l'élection de Ramfama, les membres que nous allons désigner au sein de l'opposition, nous choisirons des gens qui ne vont pas céder avec des millions. On va faire en sorte que ceux qu'on désigne travaillent pour notre compte. C'est très important. Mais à Gwenguenina Dana, autant nous avoir sur le nom. Avant que nous arrivions aux élections, j'ai été averti qu'il y a des gens qui avaient déjà des doublons en matière de. Comment on va dire ça? Des fiches, en matière de bulletins de vote, en matière d'enveloppe, et en matière de PV, pardon. Tout ça, ils les avaient déjà. Et le jour du vote, on les a vus sortir avec des procurations par dizaines de milliers. Malgré tout ça, on ne voit pas la majorité. Alors s'il y avait un vote transparent, qu'est-ce qu'on allait avoir comme résultat? Ce serait compliqué. Donc, pourquoi? Tout ça a été mis en place. Nous nous y opposerons, c'est la raison pour laquelle donc, on a une nouvelle CENI, nous allons avoir de nouveaux représentants et nous allons faire en sorte que le parti restructuré à Hanol Grimasso de Wombe à la Cour, responsable Naradoro, Féra Gandriarod, et nous, Kéli et la droite défendue. Notre situation aujourd'hui est très difficile. Elle est très difficile. La fois dernière, j'écoutais RFI, il y a 5 jours, on dit à 3 mois en Guinée, il y a 6 ponts qui se sont écroulés.
Oui, mais comment voulez-vous qu'il y ait si peu que c'est évolué chez votre armée? Le rôle de l'administration, c'est de vérifier ces choses-là. Moi, j'ai un peu plus de chance que vous, parce que tant d'avocats qui rentrent en moment. Nous, les quatre points-là, c'est Fria qui entretient. Heureusement, il y a Fria là-bas. Alors, vous ne pouvez pas le voir. Donc, Fria, vous avez un ami, 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 on nous a dit ici qu'on avait trouvé les fonds pour améliorer la route à partir de Koya jusqu'à Dabola ou même pour ça. Et que les études ont été faites et qu'on a trouvé le financement. On a même posé la première pierre. Votre bâtiment. Vive le fer! Quand vous avez fait les études sur une route, je me dis qu'on a étudié le point là. Mais 2 mois après, le point tombe avec tout le plateau d'envoi avec un camion de support comme et tout. Mais les études là, on a fait quand? Non, on n'a pas au rôle, madame Fé. Parce qu'à nous, on a. Et tout, on n'a pas fait un peu, on a répondu à la quête et ça a fait de tout ce jour. Les jeunes qui sont là-bas, voilà mon âme à dire, les gens d'autres des choses. Où on a quitté, 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 on a quitté. Venez plus nombreux encore, au bout de l'église, à Paris, à faire, on a quitté, 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 on a quitté. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Vive le père! Vive le père! Vive le père! Vive le père! Vive le président Touré!